Et salut YouTube, bienvenue, bienvenue. Souviens-toi de cette époque lointaine où on était presque bon en Dark Souls. On va continuer et avant que ce compteur affiche 50 morts, on va essayer d'avancer un petit peu. Je vire le pointeur de la souris de l'écran. Nous étions en train d'explorer la forêt de Darkroot Garden et nous étions tombés face à des humains, mais un fort, fort peu courtois, qui nous avaient un petit peu défoncés. Je crois que c'est l'appellation officielle. Aïe. Non, non, non. Je sens pas obligé. Ah, ok, bah. Très bien, je vais pas t'en vouloir, hein. Allez, attaque-moi, vil gredin. Voilà. Bon. En voilà deux. Mais on sait qu'il y en a d'autres. Il y en a un là-bas qui était un cureton et qui se soignait. Le maraud. Et il y en a un plus haut qui était pas très sympa non plus, il me semble. Ouais, qui est là-bas et qui est un bandit. On va d'abord s'occuper de monsieur le curé. Bonsoir, mon brave homme. Comment vas-tu? Aïe, ça fait mal. On va rester à l'attaque rapide. Qui a l'air d'être la seule à pouvoir passer tranquillement ses défenses. Et encore. Oui, bah ça, mon petit José, tu rêves. Aïe. Putain, il s'est régénéré quasiment entièrement ce con. Tu es fort peu agréable. Achat. Comme tes habits Monaco le laissaient penser, tu es fort peu désagréable. On va devoir s'entraîner au contre. Chose qu'on n'a pas encore fait vraiment depuis le début. Parce que là, il se fait très très mal le bougre. Je vois que tu te lances dans des expéditions hasardeuses. Ouais, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le bordel derrière moi. Il y a des travaux chez moi et mon bureau me sert d'atelier. Donc, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Bon, ben on va s'entraîner au contre, puisque visiblement on en aura bien besoin. Donc, ça, c'était de la merde. Et ça c'était nul. Très bien. Bon, par contre ils repartent la blinde. Donc on va pouvoir regagner pas mal de vie à côté. Ce qui est, ma foi, pas forcément un mauvais deal. Bon. Bon, bon, bon. Nous avions un monsieur facétieux qui se baladait par ici. Ah, il y a le mage qui l'a repéré en premier.
Alors que le chat décide de ne pas me faciliter la tâche. Jerrycan, t'es toujours pas transparent. Là, tu viens de rencontrer ton ennemi principal, un arbre. Espèce de ninja de l'enfer qui doit se balader dans le coin. Avec son mode fufu. Et il y a le curé qui est avec lui. On doit s'entraîner au pétage de curé. Alors en plus, la caméra ne mène pas. Il est où ton copain? Il est là-bas. Décidément, je suis perturbé par les bruits dans mon casque et par les bruits du chat. Pour lui, c'est bon. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire, mais il l'a fait. Allez. Go ahead, make my day. Ne tente pas de te barrer. Voilà. Alors lui, le retour. Il a recovery super rapide sur son attaque lourde. Trop tard, je pense, pour le contre. Voilà. Bon, on s'est pas trop fait charcuter cette fois-ci. On avance. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre à jour mon compteur de mort. Erreur. Horrible. Je suis sûr que chez vous, vous étiez en train de hurler sur votre fauteuil. Voilà. Là, on se retrouve dans notre style habituel. Non, je suppose qu'il y a d'autres mecs qui vont se balader et qui vont nous gaver. Voilà, ça a l'air safe. Et je suis désolé, on va faire un petit break dans quelques instants.
YouTube, désolé pour cette interruption un petit peu violente il y a quelques instants. Je suis sûr que tu es très heureux de nous retrouver sur la suite de Dark Souls. Nous sommes dans une forêt où les habitants sont fort peu sympathiques. Alors du coup, on explore et je vais finir bloqué dans ce décor. Un coup. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il y a de beau dans le coin? Est-ce qu'il y a d'autres types que j'aurais raté? Il y a une espèce de passage. De... Ah ouais, un coffre. Salut le chat. Nous avons trouvé une armure de pierre. Il doit pas être vraiment ce qui se fait de plus léger. Mais on a trouvé le set complet. On est content. Je te fais un peu de place. Attends. Hop. Désolé, je dois faire de la place pour Jerrycan, parce que sinon il va tourner en rond pendant toute la soirée. Décidément, ce chat est. Ce live est sous le signe de l'imprévu. Jusqu'au bout. Alors. Bon, on a franchi cette tour, c'est très bien, mais à part ça. Qu'est-ce qui fait ce choix? Une espèce de porte là-bas. Je sais pas pourquoi de temps en temps je m'arrête de courir, c'est un petit peu chiant. Ok, il y a une porte là-bas. Il y a un pont, petit pont de bois qui traverse la rivière. On va essayer de descendre de façon assez propre. Pont qui a l'air d'annoncer la présence d'un boss ou un truc du genre. J'espère qu'il y aura un point de... Qu'est-ce que c'est que ce mec là-bas? Ah, qu'est-ce que c'est que ces mecs là-bas? Des hommes champis. Des champignons. Je sens que ça pue l'intoxication. Mais ils ont pas l'air hostiles par contre. Et du coup, si on peut éviter de se les farcir, ça me va aussi. En plus, il ramène 50, c'est que là. Mais Jerrycan, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'à un moment, ce que tu es en train d'entreprendre, ça te semble être une bonne idée? Et qu'est-ce que c'est que ce gros rat? Ça c'était surprenant, d'accord. Et pas très réglo. Eh, c'est un gros chat. C'est une espèce de gros chat. Non, je voulais pas. Ouch. Le minou! Le gros gros minou à sa même mère. Tiens. Non mais qu'est-ce que. N'essaye pas de glitcher. Oh putain, il y en a un autre. Oui, bah oui. Évidemment. Oh putain. On va utiliser la fuite! Je suis pas là, vous m'avez pas vu. Bon, je pense que c'était le bon truc à faire. J'aimerais bien atteindre le passage en contrebas, mais par contre les demi-loups d'un coup, je vais pas pouvoir me les faire. Hein. Parce que, ah, le pont là-bas, on peut descendre par là. Et ça me semble une meilleure idée. Pas tout cher, la souris.
Il m'a déjà causé une mort ridicule et les gens se sont certainement foutus de ma gueule. Évitons d'en avoir deux, à notre compte. Witness de Mac, très bien. Désespoir devant, très bien. Mais bah ça m'a l'air joyeux. Bon, est-ce qu'on est prêt à perdre 15 000 âmes? Oui. La belle arène. Il y a plein de tombes et une grosse épée. Grosse, grosse épée. Et un truc. Ok, Hornetry. Ah. Quelque chose me dit que c'est une mauvaise idée de le toucher. Le gros toutou! Le gros toutou à sa maman! Bah oui! Bah écoute, pourquoi pas? Alors déjà, on peut le parer. Et une ange de ma boule. On lui a mis un coup, c'est pas mal. Bon, on va réussir à s'approcher. Ok, le petit balayage qui va bien. Deux coups, on a déjà fait pire contre certains boss. Son balayage, il est suffisamment rapide pour m'en mettre deux. Quelque chose me dit que là j'étais censé perdre la moitié de ma barre de vie. Et barre-toi le loulou avec ton espèce d'épée laser. J'ai plus rien pour me soigner, c'est parfait. Ouais. Balayage immortel. Bon, on est loin, il y a des gens chiants à tuer, et on a perdu plein d'âmes. Ça va être bien. Bon, après, on a perdu plein d'âmes, mais comme eux, ils sont là, on peut les récupérer tout aussi vite. Et tout va être de gérer à peu près notre approche. Alors, le magos, c'est fait. Le sneaky sneaky, il est où? Je le vois jamais, lui, hein. Alors, il y a le curé qui approche.
Venez donc, mon brave homme. On n'est pas dans le timing. C'était pas ça du tout. Non plus. Si on pouvait éviter de se faire tuer contre l'abbé Pierre, ça m'arrangerait. Non, trop tôt. Deux fois. Ça, c'est bien comme combo. Ça fait complètement le job. J'aime bien. Bon. Ça en fait deux. Le troisième était dans le coin. Ça, c'est un fantôme, on s'en fout. Ouais, t'es là, je t'ai entendu. Oh le rat. Tu te calmes. Voilà, on gagne pas grand chose de vie par contre. Allez, amène-toi. Il y a vraiment un timing bien spécial pour le contre que j'ai pas encore. Même si là, c'était pas mal. Bon. Il nous reste deux flasques, on n'est pas trop mal au niveau vie, on va essayer de se refaire siffle toutou géant. Cette fois-ci, on va pas aller se frotter aux minous avant, parce qu'on sait qu'ils sont un petit peu trop forts. Ne me stressez pas. Alors, le Wawa, sa mémé, il est là-bas. Le Yuki. Faudrait probablement plus de défense magique que ma robe, mais. Et bah, t'es pressé en plus. Tiens, c'est cadeau de bienvenue. Donc, encore une fois, ça. Faut jouer, hein. Il y a un petit setup à chaque fois qu'il fait son attaque circulaire.
Ouais, t'as fini, oui? Non, mais. Si j'oublie de parer ou quoi que ce soit, ça va pas le faire. Heureusement qu'on a un bon bouclier. Et qu'on oublie toujours cette putain d'attaque. Raté. Je me suis complètement rapproché de la porte. Il y a du mieux. On est mort deux fois contre le loulou, je crois, et j'ai rien compté. Il a dû laisser aller sur le compteur de mort. Alors, c'est parti. Bon, en voilà. Le second doit être par là. Ouais, le fufuman, il est là. Voilà. Alors, en voilà deux. Le troisième, le voilà. Ouch. Chacun son tour. Vas-y, continue de reculer. Dommage. J'ai toujours fini avec le même nombre d'astuces, hein. Je rate tous mes comptes.
L'avantage, c'est que ça nous va faire masse d'âme quand on va réussir à l'avoir, loulou. Si toutefois un jour on l'a. J'ai pas vu ce que ça avait, nous faisait l'anneau du frelon. On va regarder ça juste avant de se taper Sif une nouvelle fois. Tiens, ils sont d'arène quand même invisible, puisqu'on voit nos âmes qui brillent dans le lointain. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ça améliore les attaques critiques. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. En tout cas, pas dans un combat de boss. Alors, étape 1, récupérer la moula. Voilà, maintenant on peut discuter. C'est bien aussi si tu touches. Oula. J'ai pas vu venir ça. Quand je serai un mec sérieux et que j'aurai appris à lire ses attaques, ça ira vachement mieux. Parce qu'à chaque fois je me fais avoir hein, sur celle-là, c'est. Voilà, comme prévu. On a combien? 44? Hop là, je fais une imp, voilà, c'est mieux. Ça, c'est le chat. C'est pas facile de vivre sa vie avec un chat-chat. Y a des pattes qui traînent partout. Je suis caché derrière un arbre. Essayer de se concentrer un peu, l'objectif étant d'arriver avec un petit peu plus d'astuces. Je pense que si on a plus de fioles, on devrait pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce que tu fais?
Qui a codé ton IA? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi te comportes-tu comme un alcoolique? Tu fais la honte de tes parents. Alors le curé, il est là. Raoul. Elle va pas trop avancer parce qu'elle va déclencher l'autre. J'ai pas trop envie de me taper tous les deux en même temps. Voilà. Vous lâchez rien en plus, bande de rats. Oh, propre. Si on fait pas nawak, on a une chance de se faire le boss. C'est un gros si, je suis d'accord. Donc nous allons nous en prendre pour la troisième fois à Sif, ce qui me rappelle cette excellente blague, bien sûr. Qu'est-ce qu'un canif? Un petit chien. Voilà. Ça c'est fait. Il fallait que ce soit dit. Si vous vouliez venir sur ce stream pour des blagues de qualité, c'était pas ici qu'il fallait venir. Alors. Je remercie ton absence de précision sur cette première attaque, qui me permet de tracer comme attaque de l'autre côté de la carte. Oui, fais différente. C'était pas prévu. Il met un coup de cul. Donc quand il fait son tourbillon, il y a quand même un petit temps de répit. Il y a quelques attaques qui nous avancent plutôt pas mal. Je vais défoncer les papates. On a besoin de récupérer un petit peu de stamina parce que j'ai bien entamé.
m'approche d'un midbar, c'est pas dégueu. Ce qui veut dire qu'il va nous peut-être réserver une deuxième surprise. Oui, très bien. Ça c'était bien, ça nous permet de bien entamer, il lui reste peut-être un tiers. Il y a toujours des attaques assez rapides, mais... Aïe. On a perdu le lock, ça a failli nous avoir. Mais bon, du coup ça nous a placé en position plutôt pas mal en fait. On va jouer safe. Il a pris cher. Petit coup dans le pif. Ouais, ça, c'était attendu. Ça m'étonnait que je m'en avais pas pris un avant. Ouf, ça il ne l'avait pas encore fait. Oh, il tout pas bien. Ouch. Ouais, c'est pas parce qu'il tout pas bien que c'est pas un boss de Dark Souls, donc on va éviter de faire le cake. Eh ben, Covenant of Artorias, et on a trouvé l'âme de Sif, pardon. On a une humanité et un nonos de retour au feu de camp. Mais du coup, on va retourner au feu de camp, ça me semble une super idée. 40 000 âmes, 40 000 boulas. On va retourner au feu de camp, puis ensuite on va continuer l'exploration de cette forêt maudite. Bon, du coup, le chien à un moment, il aura fait quelques dégâts quand même. On sera mort quelques fois, mais bon. Ça aurait pu être pire. J'avoue que c'est pas forcément ma zone favorite pour l'instant. Même si ça m'a rapporté quand même pas mal de fric. Enfin, dame, pardon, on va appeler ça comme vous voulez. On s'est fait le doogie. Doogie, doogie. Voilà. On va monter le niveau, évidemment. 76 000 âmes, ça fait zizir. On peut monter 3 points d'ex. Résistance. Endurance. 2 points en endurance. 1 point en vitalité. Ça nous fait prendre une paire de niveaux. Ça nous fait prendre une paire de niveaux.
Et du coup, YouTube, c'est sur ces entrefaits que je te laisse, je te dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Dark Souls. Des bisous, salut!